bien bonjour les amis, à la suite de cette figurine, alors aujourd'hui je vais essayer de voir si je peux, je vais me concentrer sur le visage et le bicorne, et si j'ai le temps je vais faire les bottes et le décor, et après les détails on verra, soit hors caméra parce qu'il n'y aura plus rien à voir, il y aura juste les éperons, des bottes à faire et 2-3 petites touches à faire, donc je ne vais pas faire une vidéo pour ça. Je vais voir. Donc aujourd'hui, ça va être visage et bicorne en priorité. Alors je vais sortir, j'ai pas préparé les couleurs, ça c'est une erreur de ma part. D'habitude, je les prépare un peu à l'avance pour pas faire trop de bruit. Ben écoutez, c'est pas grave, on va faire avec ou sans. Je regarde vite fait ce que je vais sortir. D'accord. Donc je vais utiliser le blanc de titane comme à l'accoutumée. Donc on est à l'acrylique aujourd'hui, dans la continuité de la vidéo précédente. J'espère que ça n'a pas choqué trop de monde que je passe de l'huile à l'acrylique comme ça. J'avais utilisé ce jaune, je m'en rappelle, donc je vais le réutiliser aujourd'hui. Merci encore Rémi pour ce petit cadeau. Je vais utiliser ce jaune oxyde, qui est un jaune que j'ai l'habitude d'utiliser pour les visages, même si j'aime bien le jaune qui est à côté là que je viens de mettre, c'est pas tout à fait le même jaune, on va voir. Ensuite, en termes de rouge, ben, je vais prendre le premier rouge qui vient, rouge chiméra. Je remue les couleurs parce que ça fait longtemps que. Il y en a que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser? J'aurais dû mettre de l'orange avant le rouge. Pour être dans la continuité de l'arc-en-ciel. Alors pourquoi de l'orange? Parce que je sais que je vais m'en servir pour réchauffer mon visage, mais j'aurais pu le faire avec le rouge et le jaune, mais je l'ai déjà et c'est pratique aussi de sortir. De ne pas avoir besoin de faire de mélange si on a les couleurs. Rouge beige, qui est la couleur que j'apprécie particulièrement pour mes visages. Mélangé à ce rouge oxyde. Je vais sortir cette couleur là qui est une sorte de marron très très foncé, orangé, rouge orangé. Je vais mettre je réfléchis, un peu de noir, non, de vert d'abord, un peu de vert. Oh, il me faudra d'autres couleurs certainement. Pour l'instant, je vous avoue que pour une fois, je les sors un peu aléatoirement parce que j'ai rien préparé. Et d'habitude, j'aime bien les ranger par ordre. Comment on appelle ça? de arc-en-ciel. Parce que c'est plus pratique et plus quand on peint, on sait que blanc, jaune, hop, et on va crescendo. Je ne l'ai pas fait là. Et je vais prendre du noir. Carbone. Pour l'instant, je vais attaquer avec ça et puis on va voir. Il manquera sûrement une couleur ou deux, ou voire plus, et je les mettrai au fur et à mesure. Je vais mettre mes loupes et donc la figurine. Alors, la caméra est très basse au niveau de ma tête, donc je risque de toucher souvent. Je vérifie. Donc, première chose que je vais faire, prendre un gros pinceau, mouiller le pinceau, le préparer et prendre de l'orange que je vais énormément diluer et je vais le passer en filtre sur tout le visage.
pour vraiment le réchauffer avant de le rattaquer, on va dire quasi dans sa totalité, mais en laissant transparaître par endroits ce que j'avais déjà préparé. Alors, j'absorbe le surplus pour pas que ça fasse une grosse tâche. Et en attendant que ça sèche, alors c'est intéressant parce que entouré du noir qui, si je me rappelle bien, j'avais mis un peu de vert, la redingote qui est gris, bleu, verdâtre, et le vert, en fait, mettre cet orange rouge sur le visage le fait vraiment ressortir. Il est d'une valeur plus claire et vraiment vif en termes de couleur. Je vais prendre une couleur de base avec ces deux-là. J'ai mis trop de rouge. Donc, je refais le mélange à côté parce qu'on ne sait jamais, je peux utiliser ce mélange à côté-là pour autre chose. Je dilue un peu. Et je vais mettre du blanc pour avoir une couche de base claire. De trucs à pas faire. Parce que j'ai bien sali mon blanc là et du coup, il faut que je fasse attention pour les prochains. Les prochains prélevages de blanc, il va falloir que je fasse attention de ne pas attraper là où il y a la chair. C'est bien, comme ça en même temps je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Alors on va prendre un pinceau plus petit. Un de chez Winsor. Je vais regarder ce que je peux faire avec ça. Déjà, il faut que je corrige un petit peu le haut où on voit la tache noire. Ouais, c'est une couleur qui est relativement claire, donc ça va. Il y a une poussière au bout du pinceau, je ne sais pas si vous le voyez. Vous ne le voyez peut-être pas. Je vais l'enlever. Alors la peinture est quasi pas beaucoup diluée parce que c'est les éclaircies que je voudrais bien marquer. Si c'est trop dilué, une fois que ça sèche l'eau, ça couvre pas beaucoup. Là, on a besoin de quelque chose qui couvre. Je vais essayer de couvrir cette tache noire qu'il y a juste en dessous. C'était disgracieux. C'est un peu mieux. Ce que je fais là, c'est je mets une couche épaisse pour que ça enlève le côté granulé que j'avais déjà par mes peintures précédentes et surtout par le vernis que j'ai mis pour pouvoir reprendre l'acrylique. Ça a fait des picots. Donc, j'essaie de couvrir de manière à ce que ça me fasse une couche uniforme et lisse. Après, je cherche pas à tout prix que ce soit lisse au maximum, mais du moins
atténuer le... ces picots. Le temps que ça sèche, je fais d'autres parties, puis je reviens. Une fois que c'est sec, je reviens dessus. Et si vous vous rappelez la vidéo précédente, j'avais fait une tache ici, là. Donc elle va être... estomper tout naturellement. Alors, je vais éclaircir ce mélange un petit peu pour pouvoir poser des lumières. Je vais mettre un peu de jaune pour réchauffer . Il y a trop de blanc. C'est ça qui est avantageux, c'est lorsque vous faites quand vous éclaircissez votre couleur, n'éclaircissez pas tout. Comme ça, si vous avez trop éclairci, vous venez récupérer un peu de la base. Ouais, je remélange là et du coup, je peux rééquilibrer. Donc là, j'ai normal, éclairci et encore plus éclairci. Donc je vous invite à faire des mélanges assez conséquents pour pouvoir jouer avec en fait. En mettant ces deux traits de peinture, je me rends compte que c'est trop clair. Donc, pour le reste du visage, je vais baisser un peu la clarté. Sinon, ça va être trop franc d'un coup et ça va pas me plaire. Je préfère y revenir plusieurs fois que de monter trop vite la lumière et même si ça se rattrape, c'est galère. Disons que je le fais quand je peins au tout début de la peinture, souvent je fais des éclaircies quasiment au blanc. Là, je ne suis plus dans la phase... du début du visage, là, j'ai mis assez de couches entre l'huile et la reprise à l'acrylique. Donc, je vais pas faire comme si c'était au tout début et que je reprends tout. Je me décale parce que je me rends compte que je sors souvent de ce côté. Moi, je me décale un peu pour être plus au milieu. Je vais éclaircir. En fait, j'ai pas besoin d'éclaircir. J'ai déjà l'éclairci ici.
Je regarde de loin. Je vais éclaircir un peu plus certaines parties. Mais pas trop, parce qu'après, ça fait plus du tout de la couleur de peau. Je vais prendre du blanc pur et je vais en profiter pour faire le petit blanc sur la cocarde en bas là, que j'ai pas fait. Je vais repasser un peu d'orange sur l'ensemble pour réchauffer ce que je viens de faire. Et je viens absorber l'excédent pour pas qu'il y ait d'accumulation et que ça fasse pas de taches. Bon, le temps que ça sèche, je vais préparer un mélange de pour le bicorne. Je vais essayer de trouver une couleur qui me plaît, une couleur un peu claire. On va voir ce que ça donne avec juste ça et ça. Non, c'est peut-être mieux avec ça non plus. Je réfléchis. Je réchauffe un peu la couleur. Alors je vais essayer de pas trop l'éclaircir pour voir, du moins pour le premier niveau d'éclaircir. On va voir ce que ça va donner. Donc je peux déposer de la couleur. En plus c'est dilué, donc c'est pas ça va pas trop marquer. Un peu là au-dessus. Et derrière. J'en profite pour faire ce qui est bordure, parce que là ça va prendre la lumière, surtout du fait que c'est là où l'usure est la plus prononcée et c'est là où ça capte plus la lumière.
dans le souci de vouloir dessiner les formes en fait. Aider à la lecture, comme j'ai précisé à la vidéo précédente. L'avantage qu'il y a, c'est que je prends pas trop de risques là parce que c'est quasiment noir. Donc, c'est dilué en plus. Ça se voit quasi pas. Et je vais le diluer un peu plus. Alors, je réfléchis. Pas le diluer, je vais dire l'éclaircir un peu plus. Allez. On va voir ce que ça fait. Là déjà ça commence à se voir. De loin. Sorti de l'écran, pardon. Je vais continuer à éclaircir, mais juste une partie, parce que je vais avoir besoin de ça pour l'ombrer à nouveau, pour faire la transition, parce qu'il y a des endroits où ça se voit trop. Et en fait, cette éclaircie va être juste que sur les rebords du bicorne. Thank you.
Il y a un truc que je dois faire, c'est le ruban. Je dois faire une arête en clair pour bien montrer qu'il est là et qu'il prend la lumière aussi. Monter encore un petit peu. Et pousser les formes arrondies. Ne pas tout refaire, mais là où il y a plus d'intensité de lumière. Et refaire la lumière de la cocarde, enfin du ruban de cocarde. Alors, je regarde de loin. Maintenant, je vais prendre un peu de noir et ombrer ici parce que j'avais plus mon mélange du départ. Et en fait, cette couleur-là va être intermédiaire entre le noir et le début de l'éclaircie là. Donc, je vais tapoter pour faire des transitions. Ça se voit pas trop en vidéo, mais en vrai, je le vois. Je vois les traits de pinceau, donc je viens faire un peu de transition en tapotant et par quelque chose de un peu aléatoire. Là ici, alors je sais pas si vous le verrez. Ah là, si, on le voit bien, vous voyez. Donc en faisant ça, et quand ça sèche, c'est censé disparaître un peu, c'est très trop marquant. Le fait de tapoter aléatoirement comme ça, ça casse la ligne de Magellan. Ça casse la ligne, en fait. Mais il faut attendre que ça sèche pour que ça disparaisse. Mélange des deux pour la partie claire que je viens de faire et qui est pas pour la partie claire qui était pas top non plus. En fait, ça fait juste que casser la régularité, en fait, si on peut s'exprimer comme ça. Bon. Ça m'a l'air d'aller. Je regarde quand même. Non, j'ai vraiment envie d'éclaircir ici là. Je trouve que ça manque d'éclaircir. Je vais y aller un peu plus franco. Pas dire que je suis pas les franco. Et en mélangeant avec l'intermédiaire, je viens. Alors, je vois pas où est la ligne. Bon, je vois ce côté déjà, donc je vais faire ce côté. Mais
il faut attendre que ça sèche. Là, on voit trop, les lignes, donc il faut attendre que ça sèche. Je vais de loin. C'est pas mal. Bon. Je regarde le visage, ce que je peux faire. Je vais prendre mon petit pinceau et mettre quelques éclats de lumière pour redéfinir le nez. Je viendrai corriger. J'attends que ça sèche pour voir si j'ai besoin de faire une transition plus souple, plus naturelle. D'apporter légèrement une lumière sur les narines pour qu'on puisse les voir. Comme ça, quand je tourne la figurine, on voit, voilà, on voit la narine, on voit. Je vais reprendre tout ça. Trop clair. Il faut trouver l'équilibre entre les lumières de toutes ces parties-là pour pas qu'il y en ait un qui est trop éclairé par rapport à d'autres, etc. Donc, c'est pas évident.
On est pas mal. Je vais rebalancer un orange. Oula, pas avec ce pinceau qui est sale. Et celui-là. Faut faire attention. Parce que je veux l'orange, je veux pas. Je veux pas de couleur trop impure. Même si l'eau est sale et que de toute manière c'est grisé, mais pas comme ça. Hop, et j'aspire. J'essuie en fait en le mettant à la bouche plutôt que de le mettre sur le sopalin. Bon. C'est pas mal. Je regarde de loin. Pour l'instant, le rendu est pas mal. Je vais m'occuper des bottes et commencer à voir le socle, le sol. Pour les bottes, je voudrais un peu plus rouge. Et du jaune. J'essaie de suivre un peu les plis. Quand il y en a. De toute manière, ça se voit pratiquement pas, donc on prend pas trop de risques non plus. Ça se voit quand on le dépose, mais après l'eau s'évapore et du coup on voit un peu moins. Mais là il est clair que tout ce qui est bottes et bicorne, comme c'est noir et que c'est pas c'est pas l'élément principal. L'élément principal est ici, là. Je vais pas trop travailler les bottes pour les laisser dans l'esprit noir, en fait. Une couleur c'est de l'encre bleue. Pourquoi? Parce qu'en fait l'encre va être légèrement brillante et additionnée à du noir qui lui est mat. Ça va donner une profondeur que je n'aurais pas avec le noir pur, tout simple. Donc en fait, il y a du bleu dedans.
et ça se voit pas, mais ça va donner un côté un peu satiné au, à la boîte. Je vais essayer de... d'accentuer certaines ombres. Je m'inquiète pas, ça, en séchant, ça recule un peu. Là, on le voit bien, mais quand ça va sécher, on va pratiquement plus le voir. Ce même mélange, je vais le mettre ici. Et je vais obtenir un gris très 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 foncé. Et la dernière fois, j'ai pas fait ça, mais oui, je vais le mettre dans le creux de la cape. Pour vraiment accentuer l'ombre qu'il y a dessous. Même si on la verra quasiment pas. Je vais faire un truc, peut-être prendre le pinceau plus petit. Là on est dans les détails, hein, c'est la dernière, peut-être la dernière vidéo pour notre ami Napoléon, donc je fais les détails. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je fais une couleur très claire et je viens en fait faire un trait. Alors est-ce que non, vous ne le voyez pas? Plus de blanc. En fait, c'est un lining que je fais qui va aider un peu à la lecture. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est zénithal du tout. On adhère ou on n'adhère pas, on fait ou on ne fait pas, il n'y a pas de problème. Je vous montre ce que moi je fais. Libre à vous de le faire ou pas. D'aimer ou pas.
je l'accentue un peu plus. Je vous montrerai le résultat final, ce que ça donne. Pardon. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait une légère ligne qui vient aider à démarquer cette ceinture et ne dérange pas du tout la couleur, mais elle apporte un petit peps, un petit truc en plus. Bon là ça je suis hors comment on appelle ça, focal. Dire le trait, l'épaisseur du trait ici là, qui est gênante un peu, juste avec du rouge pur. Le rouge est plus ou moins transparent. Et comme c'est pas le même rouge que j'ai utilisé la dernière fois, je viens le déposer sur certaines lumières, manière de rajouter du peps à ce rouge encore plus. Le peps que j'aime bien voir là, je vais le remettre ici. Très beau ce rouge. Il me semble que la croix de fer est en blanc. Donc je vais essayer de prendre du blanc quasi pur. Dans la continuité, je vais accentuer les boutons. À ce stade-là, c'est pas nécessaire, mais ils sont déjà assez marqués, mais j'avais envie de leur donner un peps supplémentaire. Et en plus, au passage, ils ont pris un peu de couleur chair, ce qui fait que ils dénotent un peu, mais dans le bon sens du terme. Alors, il me semble, le peu que je vois sur la photo référence,
que l'épée là, alors je sais pas si c'est de l'argent ou du blanc. À mon avis, c'est de l'argent, ça. Donc je le ferai en argent. Je vais pas le toucher. Je vais accentuer ce blanc là. Ok. Bon. Allez, on va attaquer le décor. Je vais y passer un gros jus très 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 dilué. Je vais sortir souvent du cadre parce que c'est une grosse partie que je peins et on va avoir du mal à voir. Alors, je regarde ce que j'ai. On m'a offert ce marron là. C'est toujours Rémi. Je vais le mettre sur la palette pour voir un peu ce que ça fait. Bon, il manque un peu de peps, mais ça va très bien. Donc, je vais prendre un pinceau. Alors, je cherche ce que j'ai. Je vais d'abord absorber l'excédent, okay, d'eau. Okay. Je vais nous prendre... j'adore les pinceaux plats comme ça et là je vais pas diluer du tout, c'est déjà dit, la peinture est déjà diluée d'elle-même et puis elle va se mélanger. Ah voilà, elle se mélange déjà très bien à ce que je viens de mettre puisque ça c'est pas sec encore. J'espère que je reste dans le champ là, de la caméra. Vous voyez, la peinture que je viens de prendre là, elle est très diluée. Et comme j'ai passé un jus, ça se mélange. Donc pour l'instant, c'est pas gênant. Parce que ça me fait un micmac de couleurs qui se mélangent entre elles. Enfin, les deux couleurs se mélangent entre elles. Par contre, je vais rapidement sortir une couleur d'un tube plus épaisse pour profiter justement de l'épaisseur de ces couleurs-là. Alors, je regarde ce que j'ai. Voilà, je vais prendre ces deux-là. Alors, je vais vous montrer du rouge ocre. Donc c'est la couleur épaisse que je vais mettre là. Et de l'ocre jaune que je vais mettre à côté, par là. Et en fait, je vais prendre cette couleur-là et puis hop, mélanger avec un peu de ça. Mélanger avec un peu de jaune et venir taper pour vraiment mettre par endroit du jaune, par endroit du marron,
ocre, de l'ocre rouge. Dès que je m'approche de la figurine et des bottes, il faut faire très attention, sinon on salit tout. Donc il faut faire relativement attention. Dans l'idéal, là, ça serait chouette d'avoir un sèche-cheveux. Je l'ai laissé en bas. C'est le sèche-cheveux de mon fils, en fait. Et là, ça aurait été chouette de pouvoir sécher de suite pour pouvoir reprendre dessus et faire d'autres trucs sans que ça se mélange trop. C'est intéressant cette couleur rouge, rouge jaune orangé parce qu'elle contraste avec, avec les bottes et le manteau qui est plutôt verdâtre bleuté. Donc il va falloir, une fois que ça sera un peu sec, je vais continuer à éclaircir et faire les cailloux, etc. En fait, c'est à peu près la même chose que j'ai faite sur le Vexillarus et les autres figurines. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo là. Le décor, peut-être pas intéressant pour vous. Je vais, hors caméra, finir mes ors, mes métaux, il faut que je redonne du peps là, et faire les éperons. Alors, un simple, hein, ça va être. Là, je vais le faire à l'huile, je vais faire avec de l'encre d'imprimerie, hein, je vais directement faire ça en or, sans me prendre la tête. Je vais voir d'abord si, rien qu'en faisant avec de l'encre d'imprimerie, si ça reprend du peps. Et ça aussi, donc je vais sortir les huiles et finir avec ça. Et. Ouais, bon, on pourra dire que la figurine est terminée en fait. Ah non, j'ai plein de trucs que je m'étais promis de faire la dernière fois. Et que je n'ai pas fait là, c'était de redonner du peps encore à certains angles de, à certaines bordures du manteau. Donc je vais essayer de, vous voyez, je me rappelle plus des couleurs que j'avais utilisées. Il y avait du turquoise, il y avait plein de trucs. Je crois que j'étais parti sur du vert et tout, mais là on est sur un autre mélange, donc c'est pas important et grave. Vous voyez, je prends ça, je vais utiliser ça comme peut-être un peu plus. Il faut que je compare. Ouais, allez. On va essayer d'éclaircir avec une couleur autre, différente. Voyons voir. Je fais un essai. Si c'est pas joli, ben je le fais pas. Alors, il faut que j'éclaircisse plus. Voilà, comme ça. Ah, je vais faire que les bords, les bordures. Et vous voyez que c'est pas gratis, c'est pas comment on appelle ça. Si c'est pas la même couleur que la dernière à la dernière vidéo. De manière, il y a tellement de couleurs dans ce manteau que. Est-ce que c'est important de suivre? Je crois pas.
Là où c'est intéressant aussi que j'ai pas fait la dernière fois, c'est ces reflets ici là. Alors que j'investisse dans des nouveaux pinceaux, ils commencent à faire la gueule. J'ai un appel au don. Si vous avez des pinceaux en trop, je suis preneur. J'insiste ici là parce que lorsque je mets la figurine comme ça, je veux qu'on voit un petit peu l'éclaircie, alors qu'on parce qu'il y a vraiment un effet de sculpture là, de où la lumière peut se poser. Bon, mais ça a l'air d'aller. Dernière touche de lumière sur le visage pour qu'il y ait un changement de tonalité, parce que comme j'ai passé le jus orange plusieurs fois, tout a repris son air orangé, et je voudrais que les lumières ultimes n'aient plus cet air orangé justement, pour différencier avec la tonalité générale. Je vais tenter un truc, on est à 54 mm, mais je vais quand même tenter un truc, puis si c'est pas joli, je le corrigerai. C'est faire le blanc de l'œil. Le blanc en, comment on appelle ça? En éclat.
faut aller vite parce que la peinture elle sèche. Et en même temps, il ne faut pas trop en mettre pour ne pas faire un gros point. Pas évident. Bon, c'est pas très joli. Donc, je remets le marron à côté pour essayer de réduire ce blanc. Je vais carrément le lever. J'ai essayé, c'est pas joli. C'était pas joli. Bon, on va le laisser comme ça. Allez. Ah, mais c'est sec. Je vais pouvoir continuer un petit peu le... Je finis pas, finalement, la vidéo. Elle se termine pas. Je vais mettre un peu de blanc dans mon marron et dans mon jaune. Je vais mettre un peu de marron pour casser et que ça fasse pas comme... Parce que le rouge et le jaune, ça aurait pu faire une teinte chair. Et je veux pas ça. Donc. J'éclaircis un peu et avec le pinceau, je viens définir quelques cailloux par-ci par-là. Après, si le rendu du décor vous le trouvez trop uniforme ou quoi que ce soit, rien ne vous empêche de faire des glacis, des filtres, des lavis, des peintures très diluées qui vont venir s'interposer. Et rajouter de la couleur, mais des glacis, des couleurs un peu foncées. Je change un peu la teinte pour les cailloux pour apporter un peu plus de couleurs différentes. J'ai touché la botte, ce qui n'est pas top. Alors, avec de l'eau, j'essaie d'enlever, mais
truc qui est resté. Un peu de peinture qui est resté. Je le rattraperai après. Là, avec la couleur plus claire, je vais essayer de mettre juste en avant les lumières et les reliefs en fait. Les cailloux, ce côté tranchant. L'angle de la vidéo est pas top parce que il y a la figurine qui gêne en fait. Avec ce qu'on peut. Je cherche un pinceau plus petit et enfin pourri quoi en fait. Et je vais mélanger mon gris avec ça pour aller un peu autour des pierres et sur les pierres pour harmoniser le tout. Parce qu'il y a plein de petits cailloux, donc on va dire qu'il y a, voilà, il y a des petits cailloux qui sont entre la couleur terre et couleur caillou. Ça va très bien. Et je reprends l'autre pinceau avec les éclaircies finaux que j'ai perdu par endroit. Et voilà, donc hors caméra, je vais finir ce qui est à l'huile, les métaux là, et faire 2-3 retouches. Et normalement, je dirais que la figurine est terminée. Et peut-être quelques jus sur le socle. À très bientôt. Voilà, on est arrivé à la fin de notre Napoléon. J'espère que ça vous a plu. À très très bientôt. Bye bye.